pourquoi tu t'appelles Écaille Rouge? Oh putain. Ah putain, ces questions, les gars. Je vous ai déjà dit. Alors, il fallait que je trouve un pseudo, ok? Il fallait que je trouve un pseudo. Je suis nul à trouver des pseudos. J'étais sur Instagram. J'ai vu des poissons avec des écailles rouges. J'ai fait. Eh, en ça, c'est bien pour un pseudo écaille rouge. Et ben voilà. Ah bah. Bah les gars, regardez, il y a Daisuke. Mais mec, je fais une vidéo FAQ, wesh. Oh wow. Oh wow. Daisuke, hein. Allez, t'as rigolo. Hey, David Lafleur, les amis, c'est Écaille Rouge et je te retrouve pour une petite vidéo FAQ. Ouais, go les questions gênantes. Ouais, c'est super. C'est gênant pour moi, c'est gênant pour vous. Ça va être incroyable, les gars. Par contre, si t'as hâte d'avoir les petites questions gênantes, que tu veux tout savoir sur ma petite vie privée, n'oublie pas le petit like, le petit abonnement, la petite cloche avec, bien sûr, la petite notification. Et puis tu mets en commentaire. Oh, Écaille Rouge, incroyable tes vidéos. Ha, 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 ha. Comment vas-tu? Eh bah, en vrai... Ça va pas trop dans ma vie. Alors honnêtement, je suis triste. Et en fait, voilà. Non, en ça. En ça. Ça va, en ça, ça va les gars. Faut toujours voir le positif dans la vie les gars. Comment ça va? Ça va. Bah, en vrai, j'y réponds plus sérieusement les gars. Comment vas-tu? En vrai les gars, bah... C'est quoi cette question wesh les gars? Ça va, si je tourne une vidéo, c'est que ça va on va dire. Pourquoi Sasuke dit wesh? Alors, pourquoi Sasuke dit wesh? Oh, en vrai, les gars, il n'y a aucune raison pourquoi Sasuke dit wesh. Je sais pas, genre, tu sais, ça fait un peu en mode, je suis un dark Sasuke, dans ma vie, tout est mal. Les bras croisés, tu vois, en mode dark, il regarde le regard sombre et il fait wesh, il y a quoi? Ah si, je sais peut-être pourquoi il dit wesh. Avec les cassos qui ont les bras croisés, qui font les mecs dark dans les cités comme ça, et ils font wesh, il y a quoi? Tu vois, et je pense que c'est peut-être de ça que m'est venu le wesh. Et juste vu qu'ils osotent et que c'est en humour, bah wesh. Comment ça va, wesh? Voilà. Le logiciel pour les... Sans bégayer, c'est stylé. Le logiciel pour les animations et feras-tu une vidéo tuto? Alors, les gars, le logiciel pour les animations, ça, je peux vous le dire, c'est Miku Dance. Ok? Miku Dance. J'essaierai de l'afficher ici sur l'écran, ok? Et est-ce que tu feras une vidéo tuto? Les gars, j'ai la grosse mort. C'est tellement complexe, les gars, j'ai la mort. Mais par contre, si vous voulez un tuto qui a déjà été fait, je sais pas si vous connaissez Daisuke Officiel, mais Daisuke Officiel, il y a un moment quand même maintenant, il y a peut-être une vidéo d'il y a un an, il vous apprend, il vous fait un petit tuto sur le logiciel. Donc, je vous conseille d'aller voir Daisuke parce qu'il a pas eu la mort. Parce que je crois que c'est une vidéo qui dure quand même une heure, donc... Voilà, les gars, j'ai répondu à la question et ma flemme était présente. Donc, le logiciel, c'est MMD, Miku Dance. Et est-ce que je ferai une vidéo tuto? Non, je ne pense pas. T'as déjà plus 18. Déjà plus 18. Regarde-moi si vous voulez. Je crois que j'ai pas. Top 10 des animés. Oh les gars, top 10 des animés. Non, je fais top 3. Parce que top 10, ça fait trop d'animés. Top 3 d'animés, les gars. Ouais, je change les questions, ok? C'est ma FAQ, c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux, je m'en bats les couilles. Top 3. En vrai, alors. Ça va jouer entre SNK, Naruto et Dragon Ball, les gars. Ça va jouer entre ces 3 là. C'est ça mon top 3, ok? Parce que Dragon Ball, enfance. SNK. SNK, les gars, ok? Et Naruto, bah Naruto, les gars, si j'en suis là, c'est grâce à Naruto, en vrai, les gars. Donc, en vrai, je pense le fait que je suis là sur cette chaîne YouTube. Et bah bref, tout ce qui se passe, c'est grâce à Naruto. Donc je pense qu'en vrai, je mets top 1 Naruto grâce à ça, tu vois. Top 2, allez, SNK. Et top 3, Dragon Ball. Je pense que ça va jouer à ça, les gars. Je pense que c'est ça mon top 3, je pense. Je pense, voilà. Pourquoi tu fais plus des vidéos sur des autres thèmes comme One Punch, Jujutsu, etc., etc.? Alors, pourquoi est-ce que je fais pas d'autres thèmes? Bah parce que les gars... En fait, l'histoire de Naruto, Sasuke, Sakurien, bref, vous connaissez tout le délire, là. En fait, je trouve que...
Je sais pas, j'aime bien en fait, c'est un vrai délire, vous voyez, alors que si je vais aller sur du Itadori, sur du... En fait, j'ai pas trop d'explications, mais juste, bah... J'aime bien faire des shorts, des vidéos avec ces personnages, en fait. En vrai, c'est juste ça, les gars. Et si je fais, par exemple, je vais prendre bah, le thème, là, derrière, Jujutsu Kaisen, bah, ils ont... J'ai pas de... En fait, mes personnages, si je vais prendre Itadori, Sukuna et tout, ils ont pas d'histoire, en fait. Ils ont rien de particulier, ça va être des personnages un peu lambda, donc y a pas, tu vois, y aura pas de Wes... Je sais pas, c'est ça a pas en fait ça aura pas de vie je trouve. Je sais pas si vous avez vu il y a, par exemple bah, Daisuke officiel par exemple lui c'est le thème Hunter x Hunter et ça reste souvent du Hunter x Hunter vous voyez. Par exemple je sais pas qui encore comme animateur. Bah Ote quoi il y a pas longtemps j'ai fait une réacte de lui. Bah lui vous voyez c'est dans le thème Dragon Ball en fait. En fait je pense que c'est juste à force de faire des vidéos avec les avec des personnages principaux bah en fait on je sais pas, en fait, il y a une histoire qui se crée autour et du coup, t'as plus facilement le personnage dans ta tête. Je sais pas comment expliquer, c'est compliqué à expliquer, mais je sais pas, on va dire que pour ceux qui ont compris, c'est ça le délire. En ça, c'est pas français, les gars, mais on va dire que c'est ça, ok? Quelle est la partie la plus difficile dans la création du contenu? En vrai, les gars, la partie la plus difficile dans la création du contenu, c'est pas créer le contenu en lui-même, je pense, mais c'est le côté que de déjà, les idées. Vu que moi normalement c'est un short tous les jours et une vidéo tous les deux jours, ça fait que du coup tu dois. En fait, c'est le côté de toujours avoir des idées, et ça c'est vraiment galère. Des fois, les gars, c'est chaud de ouf. J'ai des bah, des fois, les gars, on voit mon short, c'est Naruto, il appuie sur un bouton rouge et ça explose. Il n'y a plus d'idées là, il n'y a plus rien. Donc, ouais, c'est ça, c'est avoir des idées et la discipline de toujours sortir les vidéos tous les jours. Je pense que c'est ça en vrai, les gars, le plus difficile, la régularité en fait, non, la régularité, voilà, c'est la régularité les gars, c'est ça le plus dur, et le côté de ça flop, bah c'est pas grave, tu continues, je pense que c'est ça le truc, les trois points les plus durs, je pense, de mon point de vue en tout cas les gars. T'as une copine ou un copain, si oui, comment t'as fait? Bah les gars, j'ai une copine, elle s'appelle Nolwenn, pour ceux qui veulent la voir, si vous voulez, dans mon tout premier live qui est en rediffusion sur ma chaîne, on la voit, et je suis avec elle depuis 5 ans, 1, 2, 3, 4, 5. Et bah en vrai, comment t'as fait, les gars? Juste bah en cours. On était dans la même classe. Je l'ai pécho. Comment t'as connu Daisuke? Vous sortez ensemble? Alors, j'ai connu Daisuke en classe et bah c'est ma copine. Voilà, donc oui, on sort ensemble. Il va y avoir des chips de moi et Daisuke, merde. Quels sont les autres créateurs que t'aimes bien? Alors, en vrai, les autres créateurs que j'aime bien, les gars, bah il y a Daisuke, du coup, bah à la base. Il y a The Manga Blood, même s'il y a eu un petit drama avec The Manga Blood parce qu'il bah, a pas trop apprécié que je... Bref. Il y a Otekwa, il y a le chef Otaku. En vrai, les gars, il y a tellement de créateurs. Il y a du Squeezie, il y a plein de créateurs. Mais on va dire que dans mon milieu, ça va être ouais Daisuke, The Manga Blood, qui encore? Le chef Otaku avec le Naruto version débile. Deotsun, j'aime... En fait... Les gars, j'aime un peu tout, vous voyez, j'aime bien du Squeezie, comme j'aime bien du Locklear, comme j'aime bien, je vous ai dit, du Daisuke, comme j'aime bien, je sais pas, qu'est-ce que j'aime bien encore. Je sais pas si vous connaissez, j'aime bien Gary School. Ouais, j'aime un peu tout, les gars. T'aimerais fit avec qui? En vrai, les gars, j'aimerais fit avec qui? En vrai, déjà, faudrait que le fit... Bien sûr, vas-y, allez, go fit avec Squeezie, tu vois, les gars, je vais pas vous mentir, c'est le GOAT, c'est le mec qui m'a donné envie de faire une chaîne YouTube, bref, c'est le GOAT, vous voyez. Mais si on... Un fit qui serait logique, en vrai, je dirais... Au tout début, je vous aurais dit The Manga Blood, mais encore The Manga Blood, en vrai, ça, moi, je serais assez chaud de fit avec lui. Et Otekwa, ça fait longtemps que je n'ai pas découvert son truc, et j'aime beaucoup son délire, donc ouais, ce serait ces deux-là. Parce que Daisuke, j'ai déjà fit, donc... Ce serait ouais, The Manga Blood ou Otekwa, ce serait les deux qui me chauffent en ce moment. Voilà. Quels sont tes projets YouTube? Tu comptes arrêter les MMD? Alors mes projets YouTube, les gars, c'est pas compliqué, c'est short MMD tous les jours et une vie et un jour sur deux et un jour sur deux des vidéos comme celle-ci, genre FAQ, jeux vidéo, React, trucs comme ça. Et dans la semaine, en fonction de mon emploi du temps et de vous bien sûr. Ce que vous préférez quand vous êtes le plus disponible, faire des lives de temps en temps, voilà. Mais ça les gars, pour les lives, je vous tiens au courant, parce que même moi je suis pas trop encore. Faut que j'essaie de trouver quand est-ce que je peux caler mes lives en fait. Parce que je pense pas faire des lives tous les jours, ça fait trop de taf. Mais ouais, peut-être un ou deux lives dans la semaine ou un truc comme ça, donc faut que je vois ça avec vous les gars. Mais voilà mes projets pour YouTube actuels.
Quels sont tes conseils pour se lancer dans YouTube, les gars? Bah en vrai, je l'ai dit tout à l'heure, les gars, mes conseils, les gars, en vrai, déjà, il faut être motivé. C'est pas... il faut aimer, tu vois. Si vous aimez... C'est vraiment le truc bateau, les gars, mais si vous aimez pas ce que vous faites, ça sert à rien, vous arriverez pas. Et le truc de... Si ça flop, bah vous continuez. En fait, les gars, c'est vraiment le délire de... Qui tente rien n'a rien, et il faut travailler pour avoir ce qu'on veut. Donc si, bah, vous, en fait, si ça se trouve, c'est triste à dire, mais vous allez jamais réussir. Comme si ça se trouve, vous allez réussir au bout d'un mois. Comme ça se trouve, vous allez réussir au bout de 2 ans. Mais pour que vous réussissez au bout de 2 ans, c'est-à-dire pendant 2 ans... Putain, les gars, je sais pas comment expliquer. En fait, je suis une merde. Je suis pas un youtubeur motivation, les gars. Je suis pas un youtubeur motivation. Mais tout ce que je peux dire, les gars, c'est en vrai, si vous êtes motivé et que vous êtes discipliné, c'est-à-dire vous sortez, comme je vous ai dit, tous les jours des vidéos ou tous les 2 jours et vous gardez un rythme, et même si vous avez des déceptions, des gros flops, vous voyez que vos shorts, vos vidéos, ils font pas de vues, vous continuez, et avec le temps, vous allez vous créer votre commu, vous allez commencer à vous faire voir. Bref, en vrai, les gars, c'est la régularité et le travail, et le temps, les gars. YouTube, c'est ça, en vrai, c'est ça mes conseils pour se lancer sur YouTube. La motivation et la régularité, les gars, c'est les 2 points importants. Voilà. Selon moi. T'as arrêté l'école pour YouTube? Alors... Non, j'ai pas arrêté l'école pour YouTube parce que je suis juste plus en cours. Et non, j'ai pas arrêté l'école pour YouTube, les gars, j'ai mon bac, tout va bien. Je suis un humain, un homme, un garçon avec son diplôme, avec son bout de papier qui s'appelle baccalauréat. Ouais. Mais non, du coup, j'ai pas arrêté l'école pour YouTube. Non. Faites pas ça non plus, les gars, faites pas ça. Au pire, faites les deux en même temps. Moi, c'est ce que j'ai fait les deux en même temps. Regardez. On est là. Comment définis-tu ton évolution? J'ai pas compris la question. Bah, c'est bien. Genre, j'avais 0 et là, je suis à 500 000 abonnés, donc c'est bien. Ouais. Bah, mon parcours... La question, elle m'a fait complètement bugger. Vas-y, prochaine question. T'as déjà fait des events ou Japan Expo? Tu comptes en faire pour tes abos? Alors, les gars, non, je n'ai jamais fait d'event style Paris Games Week, Japan Expo, tous ces trucs comme ça, là. J'ai jamais fait, les gars. Est-ce que tu comptes en faire? Les gars, je suis une personne un peu timide et insociable, les gars. Donc, je pense que si jamais il y a plein de monde autour de moi... En fait, les gars, je suis un peu shy, je suis un peu timide, les gars. Je suis un peu un petit bébé comme ça. Je suis bien dans ma petite maison, je suis bien caché. J'ai pas envie d'avoir, 50, 100, 1000 personnes autour de moi, vous voyez. Après, si ça peut faire plaisir les abos, en vrai, il y a moyen, il y a un monde où je peux me chauffer. Et vas-y, tu vois. Mais comme ça, sur un coup de tête, Par exemple, on fait un truc du genre, oh, si on atteint les, je sais pas, 700 000 abonnés comme objectif en 30 jours, on se rejoint tous là-bas et ça va être la grosse fête dans ma maison, ça va faire la fiesta, nanana. Vas-y, je suis chaud. Parce que du coup, il y a un objectif, tu vois, il y a un truc, tu vois. Mais si c'est juste comme ça sur un coup de tête, j'arrive les gars, je vais à la Japan Expo, j'arrive, attendez, je marche, tac, tac, tac. Je sais pas les gars. Mon côté un peu ermite, je sais pas. Je sais pas, honnêtement les gars, je pense pas. Pourquoi tu n'as pas Insta? Les gars, pourquoi tu n'as pas Insta? Oh, pourquoi vous avez mis cette question? Ma meuf, elle a peut-être me dire, fais-toi un compte Insta, c'est important, nana. Pourquoi j'ai pas un compte Insta? Parce que ça fait un compte en plus, je sais pas, ça me fout la flemme en fait. Les gars, en vrai, c'est la flemme. Genre, j'ai TikTok, j'ai YouTube. Genre, en plus là, si je fais mes trucs live, j'ai Twitch en plus. Je sais pas. En vrai, c'est la flemme, mais surtout, ça se trouve, j'aurais que 100 abonnés. Ça fait du contenu en plus à poster. Je sais pas, les gars. Dites-moi en commentaire, honnêtement, si vous êtes chaud. Pour que je crée un compte Insta. Et si je vois qu'il y a beaucoup de réponses positives, vas-y, j'ouvrirai un compte Insta, ok? Donc, ça dépend de vous, les gars. Si vous voulez un compte Insta, vous savez quoi faire en commentaire. Ouais, Kairou, j'en ai grave chaud. Fais un compte Insta, s'il te plaît. Vas-y, je fais un compte Insta, les gars. Et voilà, ok? Alors, avec quel perso féminin tout univers tu sortirais? Oh la question.
Je sais pas. Y'a trop de meufs fraîches. Les gars, je prends tout. Oh le rat. Les gars, je prends tout, je pense. Vous me donnez, je sais pas, les gars, vous me donnez Mikasa, je prends. Vous me donnez Bulma, je prends. Les gars, en vrai, les personnages d'animé, j'aime bien tout le monde, les gars, je sais pas. Quel est ton sentiment après que Daisuke t'ait dépassé? Oh les bâtards, vous avez vu ça? En vrai, les gars, je m'en bats les couilles. Déjà, les gars, même déjà juste pour vous dire, de base, il a sorti sa chaîne YouTube un an avant moi. Donc, pour moi, c'est logique qu'il soit devant. Et puis, j'ai pas de compétition avec Daisuke, en fait. Genre, pour moi, c'est bien, on s'entraide. Je préfère qu'on soit ensemble et qu'on se pousse l'un à l'autre qu'on se fasse une concurrence, en fait. Donc, en vrai, je m'en fous. En vrai, je m'en fous, tu vois. C'est cool pour lui, c'est cool pour moi, c'est... Voilà, quoi. Je m'en bats les couilles. Pourquoi t'aimes pas Sakura? Les gars, en vrai, quelle question. Pourquoi j'aime pas Sakura? Parce qu'elle fait que pleurer et elle sert à rien. Et si elle sert à quelque chose, elle sert à faire pleurer Naruto, rendre triste Naruto et casser les couilles à tout le monde. Voilà pourquoi j'aime pas Sakura. Sakura, va... T'as un métier en dehors de YouTube? Non, les gars, je n'ai pas un métier en dehors de YouTube. Je suis consacré à YouTube entièrement. Waouh, je viens de voir la prochaine question, les gars. Waouh. Elle fait quelle taille ta beuteux? Alors, attendez, je vais vous chercher un truc pour que vous ayez une idée à peu près de la taille de ma bite, ok? De ma beuteux, pardon. Je vais chercher ça. C'est approximativement ça, les gars. Je mets mon casque. C'est approximativement... Voilà, les gars, la taille de ma beuteux. Approximativement, les gars. Je pense que le truc est un peu petit. Je pense qu'il manque quelques centimètres, mais c'est à peu près ça, vous voyez. Voilà. Quand elle est en forme, bien sûr. Quand elle est pas en forme, vous enlevez la moitié. Voilà. Je pense que, ouais, vous voyez là à peu près comment elle se tient. Attendez, je vais faire un test. Ouais, c'est ça à peu près, hein, les gars. En vrai, c'est ça à peu près. Hein. Regardez, je vous colle mon chip comme ça sur la caméra. T'as combien d'amis? Les gars, en ça, j'ai un ami. Voilà. En vrai, les gars, j'ai un ami. Et c'est Kevin, les gars. C'est celui-là que vous avez vu sur Fortnite. Qui a joué avec moi sur Fortnite en live. Vous savez, le gros costaud à côté de moi, là. C'est lui, c'est mon seul ami, les gars. En vrai, c'est mon seul ami. Et en vrai, ça me va. Ça me va totalement, les gars. Mieux vaut être bien accompagné que mal accompagné, les gars, comme on dit. Donc, ça me va. Rémi sans amis, c'est moi. C'est quoi tes jeux préf? En vrai, mes jeux préf. Les gars, en vrai, je pense... Mes jeux préf, en vrai, ça va être genre... des jeux de combat style Dragon Ball Z, Budokai, Tekkenchi 3. En ce moment, il y a Dead by Daylight. Y a quoi? Y a GTA, les gars. Bien sûr, le GOAT GTA. Et bientôt, GTA 6. Oh là là, je vais le fumer, les gars. Comme bien sûr... Voilà, oui, là, y a mes deux GOAT, en fait. Qui vont sortir, GTA 6 et Dragon Ball Z Sparking Zero, les gars. Voilà, c'est les deux jeux... Qui vont être mes jeux préférés et qui c'est mon style de jeu préféré. Voilà, voilà, voilà. Combat contre des gens animés et tu défonces la ville entière. Voilà. T'aimes les chats? J'aime les chats. Et toi, t'aimes les chiens? Moi, j'aime bien les chiennes. Ton record de pompe? Les gars, vous voulez vraiment que je flex là? Vas-y, je vais faire des pompes là, vous allez voir. Je vais flex un peu, les gars. Je pense que je vais dire plus de 50. Je pense que je vais dire, allez, 100, on va voir. Ok, je tire le micro pour que vous voyez que je triche pas. Hop. Vous me voyez ou pas? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Les gars, je suis sûr de mettre un compteur, je crois. 31. Ça rentre. On va essayer de 50 au moins. On est plus que 4. Oh, je suis mort.
Les gars, en vrai, je pense que je peux faire un peu plus. Mais. Mais faut que je tire en fait. Faut que je tire sur. Regardez ma tête. Les gars, je viens d'enchaîner 50 pompes là en moins de je sais pas combien de temps, ok? Donc voilà, ton record de pompes, sans après faire trop de pauses, on va dire 50. Ce qui est pas mal en vrai, les gars, c'est pas mal. Pourquoi arrêter les lives? Ah bah, les gars, du coup, cette question, j'ai répondu, j'arrête pas les lives. En vrai, vu que c'était les vacances d'été, les gens, ils faisaient leur petite vie. Bah, j'en ai profité pour faire une petite pause de live. C'est tout, en vrai, les gars, juste... je suis essoufflé. En vrai, les gars, j'ai répondu. Nique sa mère. Ouais, je suis essoufflé, ça y est. C'est eux aussi, là, avec leur truc de con, là. Fais 50 pompes. Putain, vas-y. Je suis essoufflé, les gars. Voilà, fin de FAQ. Ah!